Coucou les amis, c'est Raizen et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette série vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser, puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions, ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro. A tout de suite. Coucou les amis, c'est Raizen et bienvenue avec moi pour une petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Oh, c'est toi que je cherche, je pense. Non ? Peut-être pas. Un problème petit ? Ah, si peut-être. Alors, je vous explique. J'ai reçu plusieurs commentaires à propos de ça. Et je crois que c'est un mec à lunettes. Donc un petit bonhomme. Au village d'Elimis que je suis censé trouver. Logiquement, c'est toi. Donc comme mon commentaire, il y avait Ange qui me parlait d'une statue démoniaque. Une statue de Satan, je sais plus. Et il y a Atseris que j'avais mis de côté. Je trouvais un moyen de transformer des cœurs en endurance. Si ça t'intéresse, tatata. À mon avis, c'est ce truc-là en fait. Donc on va aller voir ça. Donc c'est parti les amis. T'as trouvé un truc incroyable. Est-ce que je veux voir? Bah ouais. Il y a surtout Ange qui a insisté dessus. On va aller voir ça. D'accord, alors tu dois me suivre. Donc logiquement, je le suis. Je vous montre quand même la position au cas où. Donc le village Elimis, c'est à droite de la map, plutôt vers le bas, facile à trouver honnêtement. Je suis juste là à l'entrée en fait, tout en bas. Je suis en train de le perdre là, non. Oh, vas-y. Ah bah ça doit être ça. Donc c'était juste à côté, mais je l'avais pas vu jusque là. C'est une sale tronche. Il y a peut-être un truc en bas aussi. Oula. Je vais regarder après. Tu me dis quoi, toi? Et voilà, ta dame, c'est trop bien, non? T'as vu? On dirait la statue qu'il y a chez le chef. Oh. C'est quoi, à ton avis? C'est ça, la statue du démon? Ah tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier ici. Tu peux parler, toi? Tu arrives à m'entendre? Bah... Non. Non, bah peu importe, ta réponse me convient, what? Je suis disposé à faire affaire avec quiconque entend ma voix. Oh no! Autrefois, j'étais un dieu qui réagissait... La vie et la force, what? Réagissait plutôt. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la Dacilia l'a découvert... Et m'a donné cette apparence que tu vois là. Ah. D'accord. Depuis, les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Ah, mais c'est ça qu'elle disait, Ange. Voilà, statue du diable. Ok. Ces misérables laissent carrément la fiente d'oiseau me recouvrir petit à petit sans même sourciller. What? Ah, c'est dégueulasse. On pourrait même croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle, je m'en fiche, moi. J'ai pris mon mal en patience, attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça fait du bien de vider son sac de temps en temps. Ah ouais, j'imagine. Tu vas rester là un long moment, les amis. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge. Paf, laisse faire le pro. Mon cœur. Oh my god. On va jamais tester ce truc, les amis. Cognalo. Il m'a pris un cœur de vie, donc techniquement j'en ai un de moins, sniff. Et je crois que je peux le transférer en endurance. Et à mon avis, on peut peut-être faire marche sens inverse aussi, du moins j'espère. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Hey. Statue, tac tac. Ouais, je récupère évidemment. Baron. Non, je pense pas que t'allais m'arnaquer quand même. Après tout, t'as besoin de moi.
Ouais, ce serait pas vraiment dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux? Je te l'ai sûrement déjà dit, mais je donne le dans la vie et la force. Oh! Alors, tac tac. Donc là, je peux choisir en fait les amis. Je lui ai donné un cœur. Je peux transférer ça en cœur ou en endurance. Honnêtement, on va faire l'endurance. Ça marche, bouge pas. Parce que pour me déplacer rapidement, ça va être plutôt cool. T'as l'air sceptique. Il y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, faudra allonger l'oseille. Alors, tac tac. Donc je lui vends un truc pour 100 rubis. C'est lui qui me donne 100 rubis, j'ai l'impression. Et après, pour 120 rubis, je le récupère. On va essayer. Donc en gros, ça me coûte 20 rubis au final. En théorie. C'est toi? Tac tac. Vas-y. Je t'en vends un hack. Ah, et là, vraiment, je choisis ce que j'ai envie de lui vendre. Donc ça me permet concrètement en fait de changer soit mon endurance en cœur, soit mes cœurs en endurance. On va faire pour un cœur. Donc lui il va me donner 100 rubis, moi je lui donne mon cœur. Ça marche. Enfin pas mon vrai cœur, hein, juste un peu de vie. Ah ça descend un peu. Autre chose? Ah vas-y. Encore un. Ouais c'est cool. Donc là on voit, je gagne mes petits rubis. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Choisir autre chose. Alors, je t'ai confié deux réceptacles. J'ai envie d'en récupérer un. Donc là il me faut de l'endurance. Ça me permet de mieux me déplacer plus rapidement. Parce que maintenant, j'ai plus besoin de tant de cœur en fait pour l'instant. Hop. Donc là ça me coûte 120 rubis. Et il me le rend. Au final j'ai perdu 20 rubis. Mais grâce à ça, je transférais mon cœur en endurance. On refait la même chose pour 20 rubis de plus. Donc j'en paye 120 en fait. Endurance. Puis voilà. T'as plus de réceptacle. Ok. Je vais voir ça avec lui après, hors caméra. Bon bah les amis, c'est une petite vidéo assez courte, un peu tuto, donc j'espère que ça vous aura plu, comme ça vous saurez comment changer tout ça. Moi ce que je vous conseille, il y a un truc, je vais peut-être pas vous spoiler non plus, mais bon, si vous avez suivi mon let's play, de toute façon vous le saurez, pour lequel il faut 13 cœurs. Si ce truc là il vous intéresse, bah je vous conseille d'augmenter vos cœurs en priorité, et après vous pouvez changer pour un peu d'endurance avec ce gars-là. Il se trouve en gros juste ici. En bas à droite de la map, le village d'Elimis, ça c'est le sanctuaire. Juste un peu à gauche en fait, là il y a une petite colline, il y a la statue. Je pense pas qu'il fasse passer par le petit nécessairement, mais ouh, désolé. Mais si jamais vous ne trouvez pas, il est là pour vous. Bon bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme toujours, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez suivre mes tips ou mon let's play, n'hésitez pas, le lien est dans la description. A plus les amis, ciao ciao, bye bye, ciao.